Chazak Baruch Rabotai, Bessorot Tovot, très bonne journée et Chazak Baruch à tous d'être là, ou ceux-là même qui suivent. Voilà, on a commencé aujourd'hui les Slichot, nous sommes le 2 Elul et on a commencé à sonner comme on a vu hier pour se réveiller. On a décidé ensemble de partager également même chaque fois après la prière, même si c'est une coutume ashkénaze de sonner le shofar, on va sonner 10 fois pour se rappeler quoi. Voilà le petit message du jour. Vous savez que quand en hébreu, ça existe. Aeser leshonot simcha. Il y a 10 langages de joie en hébreu. Moi en français, alors déjà mon français est pas bien. Je connais peut-être 2. Être joyeux, être heureux. Mais 10, ça existe que en hébreu. Vous les connaissez tous. C'est ce qu'on souhaite chaque fois à Hatan et Kala quand ils se marient dans les Sheva Brachot. C'est la dernière. Sason, simcha, gila, rina, ditsa, hedva, ahava, Arva, Shalom, Re'ut. Ça c'est en hébreu. Les traduire, je ne sais pas, mais ce qui veut dire pour nous que dans 2 semaines, juste avant la fin de l'année, on va lire la paracha Kitavo. Et là-bas, ça bombarde. Il y en a 98 malédictions qu'on va dire qui sont déjà passées. Et qu'à la fin de tout cela, qu'est-ce qu'il nous dit Hachem dans la Torah ? Bah, wa alecha kolal kelod alevi et sigura. Tous les problèmes qu'on peut avoir dans la vie, tout ce qu'on souhaite à partir d'aujourd'hui dans les slichot, que tous les décrets de cette année, Tichle Shana et Kilelotea, les Klalot, s'annulent, la Torah, elle nous dit tout ça vient parce qu'on manque de joie. Imaginez-vous que si on répare aujourd'hui avec les 10 fois qu'on va sonner tout de suite, la joie qu'on a manqué toute l'année, multipliée par 10, voilà peut-être comment on peut réaliser le pasouk, à mon avis, un des plus importants de la paracha de cette semaine, Shoftim. Tamim, tihye im Hashem Elokecha. Tamim, on traduit mal en français. Hein. Quelqu'un m'a dit avant, tamim, c'est intègre. Simple. Ou simple, mais pas simple. Comme Yaakov Avinu, il s'appelle Ishtam. Ça ne veut pas dire qu'il était, comme on dit en arabe, un mouton, il accepte tout. Pas du tout. Il était très fort contre Lavan. Ahiv ani beramaout. S'il va contre moi, il va tricher. Yaakov, il a dit, moi aussi, je vais aller contre lui. Donc c'est quoi d'être tam intègre? C'est d'avoir une confiance totale que tout notre passé, tout notre futur, tout notre présent vient d'Hachem. C'est que comme ça qu'on peut avoir la joie, mais tu plies par 10. Alors avec les 10 sonnettes qu'on va sonner tout de suite, que chacun, en tous les cas je prends sur moi, on partage ensemble, déjà aujourd'hui, d'essayer de réparer ce point important, le manque de joie qu'on avait toute l'année. On va essayer de faire les choses avec plus de joie, comme ça, Be'ezrat Hachem, Tichle Shana, Be'kli Lelotea. Amar Rabbi Elazar.